Maseret Chagiga, résumé du Davav. On a vu dans la Mishnah en ce qui concerne un enfant, à partir de quel âge il faut l'amener au Beth Amikdash quand il vient à Pesach Shavuot et Sukkot. On a vu là-dessus une marloket Beth Shammai et Beth Hillel. À partir du moment où il peut venir avec son père, soit sur son épaule, soit en lui tenant la main, depuis Yerushalayim jusqu'au Beth Amikdash, on a la mitzvah de l'éduquer à monter au Beth Amikdash. La Gemara demande, mais jusqu'à Yerushalayim, il est venu de loin. Il est venu d'une autre ville. Comment il a fait pour arriver jusqu'à Yerushalayim? Répond la Gemara. En réalité, c'est pas que jusque-là déjà il était capable de venir. Parce que la Gemara comprend, s'il était, il était indépendant pour arriver jusqu'à Yerushalayim, c'est sûr qu'il peut monter jusqu'au Beth Amikdash. La Gemara répond non, il était dépendant de sa mère. Il est monté avec sa mère jusqu'à Yerushalayim. Et là, il se sépare de sa mère pour monter au Beth Amikdash. S'il est capable de venir avec son père sur les épaules, selon Beth Shammai, ou en lui tenant la main, selon Beth Hillel, eh bien, on a la mitzvah de l'éduquer. Sinon, s'il a besoin encore de sa mère, eh bien, il n'est pas capable de monter comme ça avec son père, donc il n'est pas tour de cette mitzvah. La Gemara dit ensuite, un enfant aveugle, ou bien, qui ne peut pas marcher. Il a un problème au pied, il ne peut pas marcher. S'il va guérir, avant de grandir, est-ce qu'on a aujourd'hui la mitzvah de l'éduquer à monter au Beth Amikdash ou non? Répond la Gemara, puisque dans cet état-là, même un adulte est patour, un enfant est donc évidemment patour aussi. La Gemara ensuite ramène la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos du prix du korban qu'il faut amener. Selon Beth Shammai, le korban re'iya, korban olat re'iya, c'est un korban olat, qui est le korban de la teria qui vient parce qu'il monte au Beth Amikdash. Ce korban-là doit coûter 2 kesef, 2 pièces d'argent. Le korban, par contre, chagiga, qui est consommé par le propriétaire, pas comme un korban olat teria qui est complètement au misbéach. Celui-ci, il est consommé par son propriétaire. C'est un korban shlamim. Il doit coûter 1 pièce d'argent. Selon Beth Hillel, c'est le contraire. La teria, elle coûte 1 et la chagiga, elle coûte 2. La Gemara ramène ici une longue braïta qui ramène la raison de Beth Shammai et de Beth Hillel. Pourquoi ils ont fixé ces prix-là? Donc selon Beth Shammai, on a vu, la Reya, le korban de la Reya doit coûter 2, la Chagiga 1, parce que la Reya, premièrement, elle est entièrement pour Hachem, ce qui n'est pas le cas pour la Chagiga qui est consommée, par son propriétaire. Deuxièmement, parce qu'on a trouvé dans... On a trouvé dans Hachavuot qu'il y a plus de korban, il y a plus de Ola que de Shlamim. Donc ici aussi, Reya c'est Ola, Chagiga c'est Shlamim, on fait plus dans la Ola, on s'investit plus dans la Ola que dans les Shlamim. Beth Hillel disent non. Korban Reya c'est 1 pièce d'argent et Chagiga c'est 2. Parce que premièrement, Korban Chagiga on l'a trouvé avant Matan Torah, alors que Reya il n'y a pas eu avant Matan Torah. Deuxièmement, on compare au Nessi'im, qui ont amené les corbanotes à l'inauguration du Mishkan, et là-bas, il y a eu bien plus de shlamim que de holot. La Gemara ensuite vient expliquer que pense chacun des arguments de l'autre. Finalement, la Gemara le maintient comme ça, que selon Beth Shammai, il faut plus payer sur la hola, selon Beth Hillel, plus payer sur la chagiga. Mais la Gemara, maintenant, elle s'attarde plutôt sur cette raison-là que Beth Hillel ont donné, que la chagiga a été faite avant Matan Torah et pas la reiya. Alors que dans le pasouk, on voit qu'ils ont sacrifié des shlamim et des holot. Donc, pourquoi tu décides que Chagiga, qui est shlamim, ça a été fait avant, alors que Reya, qui est holot, n'a pas été fait avant Matan Torah? Le passage qui vient nous décrire la veille de Matan Torah, on a fait des holot et des shlamim. Korban hola, korban shlamim, répond la Gemara. La hola qui a été faite avant Matan Torah, selon Beth Shammai, c'est effectivement korban hola Reya. Et donc, ça renforce l'importance de la Reya. Mais selon Beth Hillel, c'est un korban olat tamid, pas olat reya. C'est le korban tamid habituel, régulier, qui se fait tous les jours, matin et soir. Donc on n'est pas en train de parler de olat reya, on n'a pas de preuve de là, qu'il faut que sur l'importance de korban reya. Donc finalement nous avons ici une machloquette, Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que le korban olat qui a été fait avant matin Torah est un korban olat reya ou un korban olat tamid? Et la Gemara se prolonge dessus en ramenant d'autres tanaïm, que pense chacun. Elle ramène la Gemara dans quelques tanaïm qui pensent dans un sens, et d'autres tanaïm qui pensent dans l'autre. Et donc la Gemara, elle démontre bien toutes les braïtotes de tous ces tanaïm-là pour prouver de chacun qu'est-ce qu'ils pensent. Donc finalement, on reste avec une majorité de tanaïm qui pensent comme Beth Hillel, comme quoi la Ola qui a été faite avant Matan Torah était Ola Tamid. Ola Tamid. Et même si tu dis qu'ils ne connaissaient pas encore tous les détails de Halakhot de Korban Ola,
on peut quand même dire que c'est un korban olat tamid qui a été fait avant Matan Torah déjà, sans connaître les détails du korban. Ça a été fait comme ça généralement. Et puis, le jour où ils ont appris les détails et la halakhot qu'il fallait exactement faire pour le korban olat, ils ont appliqué même les détails de la mitzvah. Et ça, c'est pas gênant. La Gemara prouve qu'on voit dans certains Tanaïm qui pensent aussi comme ça. La Gemara ensuite. Ramène une question sur ce même pasouk-là, qui raconte que ils ont fait donc ces korbanot Ola et Shlamim. Il faut savoir où mettre le point dans le pasouk. Le pasouk nous dit ils ont fait des Olot et des Shlamim de taureaux. Est-ce qu'on met un point après Olot et on dit les Olot c'était des agneaux et les Shlamim c'était autre chose, c'était des taureaux, ou on ne met pas d'arrêt au milieu du pasouk et donc taureaux se rapporte aussi bien sur les Olot que les Shlamim, le Korban Ola que le Korban Shlamim. Et la Gemara dit qu'est-ce que ça vient, quelle importance aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Répond la Gemara, ça c'est pour savoir comment lire le pasouk avec les Ta'amim, quel Ta'amim il faut placer au milieu du pasouk, qu'est-ce que c'est un Ta'am qui va arrêter au milieu du pasouk ou un terme au contraire qui va relier le début à la fin. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui, je vais amener un korban olah comme celui qui a été fait avant Matan Torah. Qu'est-ce qu'il doit amener? Des taureaux ou des moutons? La Gemara reste là-dessus en safek. La Gemara ne résout pas donc cette question.